mais également la française Ludivine Furnon, qui a peut-être un joli coup à jouer dans cette finale. Karbanenko, les bras les plus puissants de la gymnastique. Pour la Russie. Voilà, oh. Kovacs. Salto arrière, groupé au-dessus de la barre, reprise, ici tour volant, deuxième tour volant enchaîné. Ginger, salto arrière, demi-tour, reprise de barre. Bien, bien Dimitri. Aïe, 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 aïe. C'est terrible, terrible, parce que... Ah, il n'en revient pas, le pauvre. Ah, là, voilà. Là, là, là. Il était bien parti, il s'est déporté vers la gauche, hein, Michel. Et on va revoir la faute. Ici, demi de Choukarine, un tour complet autour du bras, suivi d'une pirouette complète. Il doit enchaîner le Stalder, mais il n'est pas tout à fait dans l'axe. Et voilà. Trop à gauche, il ne pouvait plus évoluer. Relâchement. Ah, il reprend bien évidemment le mouvement pour se classer, mais il sera huitième de cette finale, à moins d'une chute d'autres concurrents. Karbanenko qui disait hier à Poujade, t'as pas eu de chance, ils sont très amis tous les deux. Allez, il méritait une bonne note avec un programme aussi risqué et acrobatique. Dimitri Karbanenko qui sera de retour un de ces quatre matins en France, qu'il aime beaucoup. Ah, il est déjà licencié au club d'Antibes. Mais oui, il s'entraîne avec Poujade et tous les titulaires à part entière de l'équipe de France d'Antibes, qui demeure l'un des fiefs de la gymnastique française masculine. Ah, il disait à Poujade hier, t'as pas eu de chance au cheval d'Arçon. Il n'a pas eu de chance à la fixe. Vraiment. Et Arkiev lui fait comprendre qu'il n'aurait jamais dû se déporter vers la gauche. Mais enfin, on peut toujours dire ça après le mouvement, mais c'est dans l'action. Et il en sourit même. Bon, ça va. Ah bah, il ne peut plus rien faire maintenant. Hein. Il est trop tard pour se rattraper. Doué hein, quand même comme gymnaste, hein, champion d'Europe. Il a gagné la Coupe d'Europe à Bruxelles. Il nous avait beaucoup impressionné par sa puissance. Mais la puissance ne suffit pas en gymnastique. Regardez-moi ça. Ça dégringole.